Messieurs Jérôme et Jean Tarot de l'Académie française vous parlent. Vous allez voir se dérouler devant vous la petite vie quotidienne de Tlemcen. Une petite vie charmante, pleine de soleil et d'ombre, de calme et de petits trafics, sur laquelle, nuit et jour, tombe de ses nombreux minarets l'appel des médecines à la prière. Mais, pour vous faire de Tlemcen une idée juste, il faut que vous ajoutiez par la pensée à toutes ces gracieuses images quelque chose qu'elles ne peuvent pas vous dire, car la caméra a beau prendre ça et là un vestige de vieille muraille, elle ne ressuscite pas le passé. Je voudrais qu'au cours de ce film, vous ayez deux choses dans l'esprit. D'abord, que cette petite sous-préfecture d'Algérie a été pendant des siècles une des cités les plus brillantes de l'islam africain, la rivale de Fès, de Marrakech et de Tunis. Elle se trouvait merveilleusement placée sur le chemin des caravanes entre le désert et la mer, et c'est cette situation privilégiée qui lui a valu ce surnom de Tlemcen, qui, en arabe vulgaire, signifie « entre les deux ». Elle était en effet le centre du trafic où aboutissaient les caravanes qui apportaient du pays des Noirs, l'ambre gris, les plumes d'autruche, les civettes, les esclaves, la poudre d'or, et qui remportaient là-bas les marchandises de l'Europe débarquées à Merced-Kébir par les vaisseaux génois ou vénitiens. Ces princes, ces gouverneurs, ces marchands l'avaient couverte de palais qui ne sont plus que poussière et de magnifiques mosquées dont les restes pourront vous donner une idée de sa splendeur. Et naturellement, les savants, les grammairiens, les juristes, les poètes y accouraient en foule de Fès, de Tunis et de l'Andalousie tout entière. Mais il était aussi, pour son malheur, à mi-chemin entre Tunis et Fès. Et les deux royaumes rivaux de Maroc et de Tunisie se sont pendant des siècles disputés cette ville entre les deux avec une égale frénésie. Son histoire est une effroyable tragédie de grandeur et de misère, de pillage et de sang, et c'est ce tumulte de bataille qu'il faut toujours avoir dans l'oreille quand on se promène aujourd'hui dans tant de paix et de science. Ah, que je souhaiterais par un miracle, en jetant les yeux sur ma fenêtre, apercevoir, au lieu d'un petit jardin de Versailles dénudé par l'hiver, les blancheurs ensoleillées de Tlemcen dominées par ses minarets. L'église de sous-préfecture en son animation du dimanche et succédant immédiatement au sacrifice de la messe, le sacrifice de l'apéritif. Dans quelle province sommes-nous? En Beauce, villégiature préférée des moissonneuses lieuses. Dans le Narbonnais, aux vignes sursulfatées. Sont-ce des moutons des Cévennes, ces moutons? Des bœufs du Limousin, ces bœufs solides. La ligne sobre d'un pin, la blancheur d'un minaret, la verticalité du soleil bientôt nous renseignent et disent l'Afrique du Nord. Un cerisier dont les cerises sont mûres en avril, vite cueillies par des mains de jeunes filles, des chemins bordés de sureaux et de roses, le confirment. Très exactement, nous sommes à Tlemcen, adossés à la montagne à 900 mètres d'altitude. Une cascade domine la ville. Son eau irriguée nourrit la campagne tlemcenienne, explique la luxuriance des vergers
la grande verdeur des arbres, la succulence des fruits. C'est le rôle des marchands de se rendre au marché. D'y vanter l'excellence de leurs marchandises. Et, chose curieuse, ce sont les non-marchands qui marchandent. Le visage grave, enveloppé d'un lourd burnous, les marchands d'aujourd'hui ne sont point si différents de ceux du XIIIe siècle, auxquels se mêlait parfois un étrange vendeur de bonbons, qui se souciait moins de vendre que de donner à tous, en passant, des conseils et des leçons. On se moquait un peu de lui. Parfois, les enfants lui jetaient des pierres. Et ce n'est qu'après sa mort, naturellement, qu'on s'aperçut qu'il était un saint. En l'honneur de qui on a construit la fraîche mosquée de Sidi Haloui, à l'ombre de laquelle commercent les marchands d'aujourd'hui, sans se souvenir peut-être de ce qu'elle représente. Légumes en vrac et en pyramide, plats et poteries, pain de sucre, melon, pastèque, farine, mulet, mouton, palpé de gaillarde façon par des mains connaisseuses, on trouve un peu de tout au marché de Tlemcen. Et voici soudain insolite apparition, un vendeur de bonbons dont seul Allah sait s'il sera un jour sanctifié. Bien loin de ces tractations mercantiles, la Médersa est un centre universitaire où l'on enseigne la belle langue arabe, l'arabe littéraire et le droit musulman. Les professeurs y comptent aussi à leur auditoire attentif et passionné l'histoire ardente de Tlemcen. Des Romains, il ne reste pas grand-chose. Une voie d'aller, quelques inscriptions. La cité romaine, située un peu à l'est de l'actuel Tlemcen, s'appelait alors Pomaria. Un rempart, nous sommes au XIe siècle. Et Pomaria, devenue entre-temps Agadir, se protège des Almoravides, grands nomades algériens, parents des Touaregs, qui la voudraient conquérir. Un autre rempart. Cette fois, ce sont les assiégeants, gens patients, qui s'installent aux portes d'Agadir où ils créent un camp militaire à l'emplacement même de Tlemcen. Un jour, Agadir fut prise et les deux remparts n'en formèrent plus qu'un en serrant la nouvelle ville. Redoutable enceinte, aujourd'hui envahie par la végétation, sinon en ruine, cependant qu'Agadir n'est plus qu'un quartier populeux de Tlemcen. Le minaret construit au XIIIe siècle par le premier roi de la ville, Yagmarasen, domine encore la ville de sa masse imposante. Dernier vestige de l'antique grandeur de Pomaria, des inscriptions romaines ont été réemployées dans le minaret. Cependant, Tlemcen s'emplit de riches demeures, de palais, d'édifices religieux, prenant peu à peu l'aspect que nous lui connaissons. Elle garde des Almoravides, zélé propagateur de la foi musulmane, la grande mosquée d'une simplicité ascétique dans son premier état, mais qui reçut par la suite des enrichissements qui en font un des édifices les plus beaux de l'islam occidental. Par son ordonnance générale, aussi bien que par la richesse de ses détails, la grande mosquée de Tlemcen est la fille de la splendide mosquée de Cordoue et inaugure en terre africaine la floraison de l'art hispano-mauresque. Tant et tant de mosquées sont construites après elle, avec toujours la même exubérance architecturale, la même eau purifiante offerte aux fidèles, le même mihrab tourné vers la Mecque et qui appelle à la prière. Promenons-nous dans cette ville surchargée de foi et qui est un des hauts lieux de ce monde où souffle l'esprit. Les blancs minarets alternent avec les tombeaux. Et il semble ainsi que les voix sonores des muezzins soient comme l'écho des voix saintes qui se sont tues. Dans cette ruelle couverte de vignes, une cage avec une tourterelle.
la proximité du tombeau d'un saint fait qu'il suffit, assure la légende, qu'un enfant muet boive de la même eau que la tourterelle pour qu'il recouvre aussitôt la parole. Et dans le soir, une cigogne regagne son nid d'hiver au sommet d'un minaret. Une cigogne d'Alsace, qui rêve peut-être à l'Alsace et qui nous entraîne dans son rêve. Dans la campagne clemsénienne, au milieu d'un océan de vignes, ces ruines somptueuses, cette tour magnifique, haute encore de près de 40 mètres, dont la pierre taraudée d'entrelacs est incrustée de terre émaillée, c'est tout ce qui reste des murailles qu'élevèrent les puissants Mérinides, rois de Fès, lorsqu'ils firent le blocus de Tlemcen. Ils voulaient montrer qu'ils n'étaient pas pressés en créant devant Tlemcen qu'ils affamaient une ville véritable regorgeant de biens. Quand le minaret de Mansoura, ainsi s'appela cette nouvelle cité, fut terminé, on s'aperçut que l'ouvrier qu'il avait construit était un infidèle. Interdiction lui fut faite de redescendre par l'escalier et le malheureux dut se jeter du haut de la tour sur le sol où il s'écrasa. À l'école professionnelle de Tlemcen. Sous la direction de professeurs spécialistes, les jeunes élèves apprennent qui le tissage, qui le travail du bois, qui la broderie sur étoffe. Et leur directeur, justement fier d'eux, nous montre quelques-unes de leurs œuvres d'un art spécifiquement arabe. Ce sont les mêmes jeunes gens, les mêmes jeunes filles, qu'on retrouve quelques années plus tard dans les manufactures de la ville, où se fabrique un drap de qualité, le jeu d'une machine à tisser est un spectacle toujours attirant, et où se perpétue la science et l'art des tapis de haute laine. Préparée dans une pièce voisine par des musulmanes placides. Dans des greniers ou dans des caves, les artisans font des gestes semblables. Mais ici, ce sont des tentures que l'on tisse, et la navette doit être obligatoirement lancée à la main. L'exiguïté de ces ateliers refoule sur les trottoirs, voire au milieu de la rue, les ouvriers et leurs ourdissoirs qui préparent la chaîne des haïks. On vit et on travaille beaucoup dans la rue. C'est sur le seuil de sa boutique que le babouchier découpe le bon cuir odorant et fabrique ses babouches. Celui-ci est plus qu'un artisan, un artiste. Il brode le cuir avec des fils d'argent et d'or. Véritablement, il l'enlumine suivant une technique séculaire. Là, un autre achève la confection d'un burnous qui sera peut-être l'habit de cérémonie de quelque chef arabe. Cet autre artisan encore fabrique des bonnets ronds. D'un rouge, d'un bleu, d'un jaune vif, les laines qui viennent d'être teintes sèchent au soleil, bientôt prêtes pour le travail. Hélas, aujourd'hui, tentures et tapis sont prosaïquement mesurés avec de modernes mètres de bois ou de métal, et non plus comme autrefois sur cette coudée de marbre qui a trouvé sa retraite dans le musée de Tlemcen. C'est une bien étrange réussite. Ceci dit Boumedine, où la ferveur religieuse, bâtisseuse de mosquées, le soleil implacable et aussi sans doute un peu le hasard, composent un ensemble d'une harmonie rarement dépassée. C'est ici une petite cité sainte, habitée seulement par des Arabes, parcourue par des pèlerins. La vie est calme, grave, indolente, débarrassée de ces scories de civilisation. Les gens à voir, les courses urgentes, les rendez-vous importants, les affaires qui empoisonnent les villes d'Occident. L'ascète andalou Sidi Boumedine y repose.
son nom et son œuvre sont honorés dans une mosquée dont le porche monumental est illuminé de céramique. Depuis 5 siècles, sur cette terre bénie, des jeunes gens étudient les textes saints. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. Des mains pieuses viennent leur porter de temps à autre des gâteaux qui seront leur nourriture. Ils leur éviteront d'avoir à penser à autre chose qu'aux choses de la religion. Au dehors, l'ombre et la lumière se disputent les ruelles abruptes de Sidi Bou Médine qu'un bourricot grimpe en protestant contre l'excès de sa charge. Le soir tombe. C'est l'heure où les jeunes ouvrières quittent la manufacture, où le marchand range son éventaire et ferme sa boutique, où l'artisan sent la fatigue de la journée, où les terrasses s'emplissent de rire. Quelqu'un dans un café de la vieille ville a mis un disque, une chanson andalouse, une chanson andalouse qui accompagne le clair balancement d'une jeune femme. Ah, Tlemcen, Tlemcen.